frime, c'est l'énorme frime. Je peux vous dire, ça va frimer, mais à donf. Je voudrais être aimé pour ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire vraiment pas nous, mais un succès. Un succès qui est dû à de très gros moyens. Il y a un jeune tchèque originaire de Hongrie qui a passé son enfance en Belgique et qui a ascendu, du verbe ascension, les montagnes suisses. Ce jeune, le voilà, c'est Zoltan. Zoltan veut rendre hommage à sa Zazie. Il disait même Zazazie, tellement il était intimidé, il y avait du Z de partout. Yeah, il est très motivé. Zoltan se propose, et même si on dit non, c'est trop tard. Yeah, j'ai pas fini. Il se propose de réaliser, et par amour... Yeah. J'adore ça. Par amour pour Zazie, il se propose, hein, Zazie... Yeah, hyper motivé, il avoue toujours le sentiment et de la nourriture. Il mange ce qu'il aime, il aime ce qu'il mange, c'est formidable. Il se propose de réaliser l'ascension de la face nord du centre de visionnage, de mettre ce petit drapeau sur lequel il compte écrire Zazie avec son sang qu'il ouvrira avec un petit porte-plume qui a été offert par un sponsor. Alors, c'est parti, prenez cette petite gourde de jus de porc. Non, qui vous serait-il? Par contre, prenez un chabron chaud. Non, non plus. Alors, il y va, ce jeune y va. Une petite bispette, ces jeunes fans d'Obispo, va me rejoindre. Qui va, en effet, elle va jouer la sérénade de tout le village qui chante ce jeune Zoltan qui part. Attention, musique, top ascension pour Zazie. Musique. Musique. Hey, je n'entends pas la musique. Voilà, ce sont tous ces jeunes qui nous donnent tellement de... qui nous donnent de l'espoir parce qu'ils veulent en découdre. La mort est vaincue, la vie triomphe. Des jeunes dans le monde entier se lèvent. Ils n'ont qu'un cri, ils n'ont qu'un souhait. Ils seront Zazie ou rien. Et la musique est partie trop tard.